contre la corruption. Bon, nous avons venu avec des photocopies pour nous voir combien de chèques zombies tu as dans l'État. Donc, il y a des gens qui ont en bas. Mais tout le temps que la justice peut prononcer sous casse, nous pas qu'à venir longer douette sur un monde, parce que tout le temps que la justice peut prononcer sous casse, sous cas au monde, nous sommes censés innocents. Donc, c'est une façon pour nous dire que quel que soit ministère, il y a un pile chèque zombie que nous avons. Et chèque ça, il a monté à plusieurs millions de gourdes. Comme autre axe, c'est transformer Haïti en une destination d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, longtemps, monsieur. Monsieur et dames. Haïti, son côté, son pays, que c'est bon, dès qu'on a plongé comme ça. Vous parlez de aide pour le développement. Depuis longtemps, combien de milliards de dollars américains ont dépensé chaque année? Nous ne pouvons rien, donc faites vraiment. Comme dépenser? Je ne vais pas dire que vous ne dépensez pas, non? Mais c'est résultat, nous ne pouvons pas avoir résultat. Eh bien, nous pensons que le président Jovenel Moïse, il pensait que Kounia, c'est investissement pour gagner en Haïti. Ce n'est pas un honte pour un Haïtien ou un étranger qui vient dans le pays, qui vient pour le faire comme. Même si ça fait dans l'autre pays. Comme troisième axe, c'est augmentation de production agricole et amélioration de l'environnement. Nous allons parler tout à l'heure de l'agriculture, ça a passé. Et qui gens que l'augmentation est déjà sous route. Nous avons construction d'infrastructures énergétiques, routières et portuaires. Nous avons parlé de quelques exemples tout à l'heure. Renforcement d'infrastructures hydrauliques et sanitaires. Il y a 123 sections communales qui n'ont pas même un centre de santé dans la donne. On a parlé de amélioration infrastructure et qualité de l'éducation. Nous avons 15 000 salles de classe pour nous faire. Et enfin, c'est la promotion et la stabilité à travers une politique sociale, apaisement social, manger pour mon yo, cop dans poche. C'est ça qui est grand axe d'intervention. Gouvernement de la République, administration Moïse Lafontaine. Mais, messieurs et dames, je pense que journée aujourd'hui, nous devons être très fiers. Parce que tout ça que nous réalisons jusqu'à date, c'est avec faibles ressources, c'est avec ressources pays d'Haïti, c'est avec COB qui sorti dans poche chaque dans nous-mêmes là. C'est avec cob population. Et pour qui ça que ça pas qu'on fait comme ça, c'est parce que l'équipe qui l'a Kounia li gérer l'État en bon père de famille. L'argent de l'État, n'est-ce pas, c'est pour le faire travail pour le peuple. L'État pas doué choix le papa. M'a parlé nous de quelques initiatives. L'histoire est tellement longue, nous avons pris un pile temps pour nous parler de réalisation du gouvernement de la République. Non. Nous mettons, nous réactiver, ça y aurait les CESAF. CESAF, c'est le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique. Ça, c'est une grosse affaire, CESAF. Ces affaires là pour prononcer sur toute bagaille qui a un rapport avec la réforme de l'État. Et, faut dire nous que ces affaires pas formées seulement de gouvernement, non? Les présidés par le Premier ministre, non? Il y a 7 ministres qui la donnent, mais il y a 3 représentants de la société civile des affaires, les recteurs de l'université et les protecteurs du citoyen.
C'est-à-dire que la population qu'on y a, les gains droit de regard pour regarder qui gens que bah y a fonctionné dans l'État. Nous avons créé un corps administrateur civil de l'État. Ça sont gros outils que nous gagnons. Et nous avons fait concours et ce sont les meilleurs cadres, ces meilleurs administrateurs, ça qui est plus intelligent, ça qui réussit dans l'examen, c'est eux-mêmes que nous prenons. Dans la question de parrain, piston, etc. Et il faut me dire que Kounia, toutes jeunes à eux, ils ont en formation. Quand l'autre bagaille qui est très important encore dans la réalisation, c'est l'application arrêtée qui te prend en Conseil des ministres sous sa relève train de vie de l'État. Go France, qui est train de vie de l'État? Nous songeons tout à l'heure, nous avons parlé de l'État, pas choix le papa. Eh bien, bon arrêté qui sorti et non seulement arrêté en fin de sortie, qu'on y a nous font arrêté d'application qui j'en fait pour le cas utiliser. Par exemple, ou qu'on voit que des deux ministres cap acheté machine qui coûte un paquet de cob. Qu'on y a nous dit mais qui machine qu'on ministre doit rouler. Mais qui quantité gaz, c'est un gallon gaz par jour. Sauf si que, il y a une mission importante, laisse ça plus comme décaissé pour gaz. Mais il y a un réel qui m'a couru le tout, et il m'explique un petit bail. Mon bail qui était les locations de véhicules. Pour location de véhicules, l'on doit avoir un bureau l'État qui doit prendre machine, il doit avoir tout à l'heure. Et puis, l'offre de garder dans la fin d'année, on a acheté 3 machines. Quand on a regardé qui est qui a compagnie de location, ça y est, eh bien, vous presque pas jamais moué marqué ou pas enseigné pour rien. Eh bien, cette décision courageuse, ça y est, que nous prenons aujourd'hui. Et il y a des gens qui ne sont pas contents, tout non, à comprendre ça. Eh bien, quand on a un monde dans l'État, ou qu'on a loué machine, oui, si machine ou en panne, pour 2-3 jours. Kounyala, s'il gagne pour le durer plus qu'un mois, il faut gagner signature du Premier ministre. Et si vous n'avez pas signature du Premier ministre, ou louer machine, ou payer avec cob qui n'en poche. Nous pouvons faire les cadeaux de Kounyala. Imaginez qu'en décembre, hein, président de la République, ou bien Premier ministre, ou bien ministre. Bon, moi, si je prends par exemple moi-même Premier ministre, Kounyala, chaque grand ministre a un cadeau pour moi. Chaque directeur général t'a pris un cadeau pour moi. D'après nous, c'est un poche t'a pris un cadeau. Hein? Et bien, vous voyez, d'après nous, quelqu'un doit faire bail pour ça encore. Faut peuple n'a compte ça tout, oui. Pour l'autre gouvernement venir, pour le connaître, mais qui j'en bail n'a pas fait. Si n'a pris un bail qui est les fleurs, monsieur, dame, vous l'avez pour ton bill pour moi. Je regarde pour moi combien on jette de fleurs vendre, monsieur, 50 000 gouttes, oui. Et bien, je vais acheter 2500 gouttes sous place, Pétionville, oui. Il y a des gens qui sont contents. Il faut comprendre, oui. Là, on sait des gens mauvais dans le pays. Pour qui ça? Et parce qu'il y a un peu d'intérêt. Il y a perdu qu'on y a. Ou pour sacrer, quitte monsieur, des corbeilles qu'on recevra pour décembre. Moi, je regarde les corbeilles, ça. Je regarde la bouteille de champagne, là. Je connais 30 000 gouttes de bouteille de champagne, ça. Je garde la bouteille, ça, je connais 30 000 gouttes que je vends. Je fais total. Ce sont pas 4 mamans qui ont pris pour avoir un cadeau pour un grand monde. Tandis que l'autre prend 100 000 gouttes, ça prend 200 000 gouttes pour cadeau. On regarde combien de monde qui ont mangé, qui ont pris le vaccin. Combien de monde qui ont envoyé l'école avec elle. L'autre mesure qui est très importante encore que nous prenons, c'est la question de régularisation, la question de contrat. Ça, sont des blousailles, l'idée.
affaire de contrat. D'ailleurs, mon dans son contractuel, il n'est pas engagé dans l'État. Et puis son paquet de maman corps, une série de contractuels qu'on a touché. Est-ce que nous connaissons, par exemple, il y a un contractuel qui a touché 4 fois, 5 fois sa présidente de la République ou même premier ministre qu'on touche? Sans compter, n'est-ce pas vrai, une série de contrats fictifs qui gagnent. Quand on attend des balles, si je prends par exemple le ministère des Affaires sociales, c'est un bon contrat qui est fait. Quand on a dit que les gens viennent chercher le chèque, ils connaissent le tout mari. En pile, bon chèque, ils étaient prêts à me barrer. Et pour me dire, nous, qui côté que le contrat, ça a été passé. Et bien, quand on a ça, nous, et puis, pas juste tout. Au monde qui est contractuel, quand il a l'avantage qu'on n'a pas gagné, ou pas gagné assurance, ou pas gagné droit à pension, n'est-ce pas vrai? Donc, Kounia, nous, au fur et à mesure, nous avons stoppé, nous avons sorti dans la dynamique contrat pour nous capables de gagner, n'est-ce pas vrai, des nominations pour que nous gagnions de véritables fonctionnaires qui sont au service de la République. L'autre bagaille qui est importante, tout comme nous avons signalé, nous, en ce qui concerne les recettes fiscales, ils ont augmenté jusqu'à date de 17% par rapport à la même période non, l'année dernière. Donc bon petit effort qui fait, mais n'a pas que l'effort a intensifié ces jours-ci, surtout au niveau de frontières, là, qui ont pile travail pour nous continuer à faire, pour nous combattre contre la bonne, ok, et que ça n'a pas capable d'augmenter encore plus. Où est l'État? Laissez-moi faire causer avec nous sur quelques travaux qui gagnent, que nous faisons, que nous réalisons. Pays en son pays qui est un chantier net qu'on y a. Si nous étions dans Port-au-Prince, nous devons pas faire tout ça qu'a fait. Bien que grand pile bagay qu'a fait dans le département de l'Ouest actuellement pendant ma parole avec nous. Ma parole près département par département. Et liste ça que m'a parlé là sont liste partielle liée par rapport à l'activité qu'a fait. Si nous prenons le sud par exemple, ou bien route Kafoujout vers Saint-Jean du Sud, ou bien route numéro 7 vers Maniche, ou bien route Carrefour Méridien vers du 6, toutes ces équipes qui travaillent là-dedans. Campéré même, ville Campéré, un travail qui est en fait là-dedans, toute route bétonnée asphaltée dans Campéré. Mais nous avons route Campéré vers Mersan, Campéré vers Somaturine, route nationale numéro 7 vers Simon Okaï. Nous avons asphaltage qui fait dans toute ville Okaï là net. Et puis, nous avons Ilavache qui n'a pas gagné même 500. Mètres de route et Kounia nous gagne route cap prend il avage sorti depuis dans point est arrivé jusque dans point ouest qui rapproche le de 20 km de route en attendant cap construit actuellement pendant que m'a parlé avec nous là. Dans le département sud-est, nous gagne route Marigot qui est en Sapit, nous gagne route Jacmel qui pourrait aller vers Côte de Fer. Ça c'est route qui l'a cap construit dans le département sud-est. Et ça, c'est pour année ça seulement, hein, parce que nous avons Règne. Règne, c'est chaque département qui peut faire au minimum 100 km de route asphaltée par année. 100 multiplié par 10, ça fait 1000 km de route par année, multiplié par 4, ça fait au moins 4000 km de route asphaltée qui a fait dans le pays actuellement. Grandance. Nous avons route Jérémy vers Bonbon. Nous avons Carrefour Charles vers Corail Pestel. Nous avons Carrefour Zaboka vers Pestel. Dans Nip, nous avons Baradère, petit tour de Nip. Nous avons Ansavo Arnaud. Nous avons l'asile Vieux Boudaquin. Comme route interdépartementale, nous avons Cavaillon Baradère. Nous avons Baradère Pestel. Ensuite, dans le département centre, nous avons Inch Thomasique.
Nous avons une construction boulevard du Marseille estimé cap fait Belader. Non seulement nous avons une route cap fait Belader, boulevard, cap pic au boulevard cap guerre en Haïti. Il y a trois voies à droite, trois voies à gauche. Mais toute route en dans Belader a asphalté. Et puis, tout bâtiment, tout immeuble, bâtiment public, il y a pour faire tout dans Belader. Et nous avons route Las Caobas Savanette. Dans l'Artibonite, nous avons route Gonaïve vers Terre-Neuve. Et puis nous avons route nationale numéro 1 vers Grande Saline. Dans le nord-est, nous avons grand bassin vers les Perches. Les Perches vers Acul samedi. Dans le nord-ouest, nous avons route Port de Paix, la Croix-Saint-Joseph. Et puis nous avons route Jean-Abel Lantou. Dans le département de l'ouest, nous avons route Kenskov vers Fussy. Nous avons route Église Saint-Michel, Delma 65 prolongé. Nous avons route La Boule 12 qui permet de tomber Mariani. Tout ça, c'est pour nous désenclaver le sud. Nous avons route Tomazo Cornillon Grand Bois. Nous avons route Saïra Léogane qui va commencer là. Ils ont commencé à faire et tout travaux d'arpentage, etc. Matériel commence à tomber sur route ça. Nous avons route de Darbonne. Tout. Route de Darbonne n'a presque fini la montée là. Asphalte commence à tomber sur lui. Et ça son bilan partiel lié, oui. Parce que l'autre jour, nous avons mal fait une visite, mal gardé mouvement, mal gardé route d'Arbonne. Et puis le ministre dit, ah. PM, mais bon, l'autre PC qui va le faire là encore, me dit qui côté. Il dit route qui sorti Kenskov, capable de tomber Grissier, 22 km de route. Avec dit que ça nous a fait 200 km par année, on a dépassé ça par département. Et nous imaginons une route comme ça, Kenskov-Grissier, en moins de 15 minutes, on gâte en Léogan. Et puis, gardez pour quelle activité ça va le créer dans le sud. En ce qui concerne augmentation de production agricole et amélioration de l'environnement, nous avons des avancées significatives qui sont faites. Je ne vais pas nous tout détailler parce que la liste est vraiment longue. Mais quand même, je vais parler de travaux de structuration et accompagnement de plusieurs coopératives agricoles. M'a parlé nous de distribution de matériel, de moulins du riz, moulins maïs, tracteurs. M'a parlé nous de curage mécanique qui fait près de 50 km de canaux d'irrigation qui curaient, n'est-ce pas vrai, pendant les 6 derniers mois. M'a parlé de réhabilitation des pistes agricoles qui permettent que produits paysans, l'elfine produit li, pour le cas joindre route, pour le cas aller marcher avec. Et m'a parlé de curage et endiguement de plusieurs rivières. Dans le domaine de l'environnement, je, toujours avec faible moyen l'État qu'on y a bon. Nous avons quelques amis qui voulaient participer. Nous avons acquis les centres de germoplasme. Centres de germoplasme, ce sont des méga pépinières qui permettent nous, n'est-ce pas vrai, reboiser le pays. Est-ce que nous connaissons que misère Haïti, déboisement Haïti, sont publicité pour un pile monde rentrer comme dans poche? Tout le temps dit Haïti son pays qui déboise. Haïti son pays qui n'a pas pied bois encore. Eh bien, faut me dire nous, ça c'est une promesse de campagne président de la République, que d'ailleurs que nous t'ai parlé dans la déclaration politique générale, non, et qui t'est inscrit dans la feuille de route, ministre environnement. Eh bien, Kounia, chaque département a un centre de germoplasme. Et Kounia, nous avons 3 centres de germoplasme. Et chaque centre de germoplasme permet de produire 4
4 500 000 plantules par an. Nous avons 14 000. Les nous prenons 14 multiplié 4,5 millions par an. Haïti pral vin gon capacité pour nous produire 63 millions de plantules chaque année. Et pas produit seulement, non? Et pas produit seulement, non? Mais qu'on y a, si moun l'école, Jean-Président te dit là, pral gen pour yon planter. Chaque grain haïtien gen pour yon planter pied bois tout. Pour qui ça se plein pour nous plein? Pour nous dire que ça paye en son pays désertique. Tandis que qu'on y a, mais avec ressources nous, avec femmes, avec garçons, n'est-ce pas vrai, nous tous notre énergie nous ensemble pour nous capables de reboiser Haïti. Bon, il y a l'autre travaux qui a fait qui est très important. Ces travaux qui a fait au niveau rivière, le curage des rivières. Messieurs et dames, depuis près de 50 ans, rivière nous n'a pas curé du tout, non? Et chaque fois qu'autant de petits curages qu'a fait, autant de ces communautés internationales là, qu'a fait pour qu'a font curage, pour font 2 km, 3 km de curage, eh bien, avec comme avec comme taxes que nous payons, je veux dire, nous gagnons équipement pour nous curer toute rivière qui gagne en Haïti. Et nous commençons à curer. Nous avons parlé de l'Arion, l'Éogan. Nous avons parlé de la rivière Moumans dans l'Éogan. Nous avons parlé de Coujol. Nous avons parlé de la ravine du Sud. Nous avons parlé de rivière Blanche, rivière Grise. Ça, c'est tout. Mais toute rivière dans le pays, hein, n'est-ce pas vrai, nous avons parlé. N'est-ce pas vrai? Yon après l'autre, curé. Et, fom di nou, que dans tout travaux sa yo, non seulement nous gagnons les employés du ministère de l'agriculture, mais nous gagnons nos vaillants militaires tout, qui là, côté que nous avons l'armée écrasée zo, mais nous avons l'armée au service de la population. Et que ça la fier, les nous ont désastre naturel, c'est pas blanc qui a venu. Bien sûr, nous avons toujours besoin de coopération, nous avons toujours besoin d'aide. Nous-mêmes, nous allons aller de l'autre côté. Tout. Mais la première réponse, là, c'est Haïtien qui a bail. On a une grande révolution qui gagne tout. C'est ça nous relais. La maîtrise des eaux de surface. Ça, la maîtrise des eaux de surface, je dis. Nous gagnons, n'est-ce pas vrai, en pile d'eau. L'eau a pu tomber. Et puis de l'eau, ça, qui côté là, c'est dans la mer là. Ou bien nous connaissons que pays nous en charge à rivière là-dedans. On richesse que nous gagnons, mais richesse ça a perdu. De l'eau, ça, dans la mer. Eh bien, président de la République, non? Ça a été depuis en 20, il était président. Dans la promesse de campagne, il était promettre ça, la maîtrise des eaux de surface. Eh bien, c'est comme ça que, qu'on y a, n'a pas gagné de méga réservoirs qui permettent que nous quimbions de l'eau, ça y est. Et l'aime quimbions de l'eau, ça y est, l'eau, ça y est, va jouer un paquet de rôle pour nous. Là, va jouer un rôle. D'abord dans l'agriculture, dans la période de sécheresse, nous allons arroser des plaines. Nous allons arroser, n'est-ce pas vrai, des jardins. Mais la permettre nous tout, dans le domaine de l'élevage, ça aurait les pisciculture, élevage poisson, la permettre que nous fassions élevage poisson. Mais même de l'eau, ça aurait tout, nous allons permettre nous, c'est-à-dire à la sortie de barrage, donc, où mettons turbine, la permettre nous produire électricité. Donc, c'est pour me dire nous que pareil, ça est très important et on va révolutionner l'agriculture. Côté que nous avons plusieurs plaines, il y a plaines qui pas même arrosé, sous pont plaine contre la plaine et Savandiane qui est dans le plateau central, qui gagne environ 105
105 500 hectares de terre. Hein? C'est là la pluie tombée, les paysans qui ont planté, et puis si il y a une sécheresse, tout ça a planté en vie de perdule. Et que ça que mon Dieu n'a pas même envie de planter encore. Souprend plaine, la grande plaine du nord, la plaine de Maribao, toute plaine ça. Nous prenons Bako Noir dans le sud, nous prenons la plaine du sud. Tout ça, c'est côté que, n'est-ce pas vrai, avec la modernisation de l'agriculture, avec, n'est-ce pas vrai, tout effort que le gouvernement va le faire, ça va permettre nous augmenter la production locale. Et à Nessa, nous voyons que le 1er mai, le président a décidé pour nous fêter la fête du travail et de l'agriculture et au niveau de Terre Rouge, côté que nous gagnons rivière qui est les rivières Marion, c'est là que nous commençons avec construction premier réservoir d'eau que nous gagnons, bien sûr après le lac de Pélig. Mais ça me gagne pour me dire nous, même si nous voyons que c'est premier, mais liste longue, nous avons environ 11 qui vont le faire à travers le pays. Et actuellement, pendant que je parle avec nous, nous avons des équipes de techniciens haïtiens qui sont dans tout site ça, qui ont fait étude du sol pour, n'est-ce pas vrai, est-ce que le sol ça répond à des normes pour nous faire, pour nous construire des barrages, n'est-ce pas vrai, qui permettent nous de redynamiser l'agriculture pour que nous-mêmes, mangeons-nous pas dépendre de blancs, mangeons-nous pas dépendre de l'étranger, mais nous-mêmes en Haïti, déjà, nous avons une capacité pour nous produire manger, pour peuple, pour sorte que, de sorte que nous pas besoin de dépenser quoi pour nous voyager chercher manger là-bas, mais quoi nous avons dans le pays. Mon domaine, encore qui est très important, c'est le domaine question d'électricité, hein? Énergie. Nous connaissons qu'il y a une agence qui régularise, qui est l'ANARCE, qui régularise le secteur d'énergie. Hein? Nous avons pile l'effort qui fait dans le secteur énergie. Hein? D'abord, il faut me dire une bonne nouvelle que nous avons pour nous. Nous connaissons que la centrale hydroélectrique de Pélignan, il y a trois turbines là-dedans. Mais pendant ces derniers mois, nous avons une seule turbine de 18 MW qui a marché. Quand il y a tous les trois turbines qui ont marché, ça vient de faire que d'ici semaine prochaine, nous allons amélioration quand même sensible de production d'électricité au niveau de la zone métropolitaine, côté que nous avons une capacité seulement à travers Pélig, les toutes turbines qui ont marché de 54 MW que nous avons gagné en plus sous système réseau électrique noir. Mais en même temps, il y a un pile de travaux qui a fait, soit au niveau de sous-stations que nous avons préparées, de sous-stations que nous avons mis sous pied, et puis nous avons des études qui a fait pour côté que nous avons gagné le premier réseau d'électricité que nous avons gagné en Haïti. Côté que tout département, toute ville a interconnecté, on monde doit arrêter. Par exemple, dans le Mall Saint-Nicolas, la pot du courant, et puis comment ça, c'est pas au prince à rentrer. Donc, ça, c'est vraiment une grande révolution qu'a gagné en matière énergétique. Nous ne pas prêter, nous pas dit que ça, que Haïti, son pays, à Blackout, etc. Bien, Jean-Président promettait, n'est-ce pas vrai, dans quelques mois, déjà dans la zone métropolitaine, nous avons gagné courant 24 sur 24. D'accord avec moi que grand pile côté dans pays c'est très loin. Donc pour famille ça yo, en attendant qui ça nous vient mettre sous pied, c'est programme Kaipam Clairer. Et programme Kaipam Clairer, il permet que déjà nous gagnons en pile famille qui bénéficient de programme ça aux alentours de 11 000 familles. L'autre bagaille encore qui est très important, c'est de petits micro-réseaux qui gagnent. Et un exemple que je vais tirer pour nous, c'est micro-réseau électrique qui gagne dans la grandance, d'accord, les IWA. Et micro-réseau ça, son micro-réseau qui gagne un système qui servit avec vent, il servit avec soleil, et puis le bon petit moteur en backup pour que, n'est-ce pas vrai, pas de mauvais temps, pas de soleil, pas de vent, et puis comme ça, le système n'a qu'à marcher.
Mais nous avons plusieurs communes dans le pays, côté que le système ça, l'ICA, n'a pas mis sous pied. Et il faut me dire que la question de bagay énergie, on marche qui ouvert qu'on y a. Non pas question de monopole là-dedans encore. Non pas question de ces deux, trois mouns seulement qui occupent des questions de l'énergie dans le pays. Nous-mêmes, nous allons mettre nous ensemble là. Nous, on groupe moun, nous dit que ça, nous parlons pas du courant dans la ville, dans le pays d'Haïti. Il y a un appel, doit faire appel à la manifestation qui a commencé à faire là. Et puis, quand il y a un civil là, il y a excès courant, il doit laguer courant dans le réseau, et pour le courant, ça, c'est pas au prince venir. L'État même a retiré l'école dans le bail, l'État a là pour mettre l'ordre dans le système là. Parce que, n'est-ce pas vrai, nous ne pas doué dépenser comme pour blackout dans le pays. Parce que le pays a perdu environ 250 millions de dollars américains chaque année. Et c'est blackout ou blackout. On a parlé de l'autre réalisation. C'est comment c'est pour une réalisation chaque ministère là. Je crois que je vais finir avec la conférence de presse. Et au point de vue de l'éducation nationale, un paquet d'efforts qui fait. Côté que nous avons nous l'école que nous construisons. Mais ce qui est plus important, c'est des désastre. Nous avons une journée nous paraître là, dans le gouvernement. Nous avons 2800 professeurs qui étaient dans la salle de classe avec lettre nomination dans main. Et qui ne sont pas touché au bout, non? Après ça, pendant la régularisation, nous avons 3-4 000 professeurs qui sont dans la salle de classe, qui n'ont pas ni lettre de nomination et qui pas touché au bout. Méritage, je nous devine jeune. Eh bien, grâce à dynamisme ministère, ça, sous le leadership ministre, grâce à la cohésion gouvernementale qui gagne, eh bien, nous jouons corps dans l'État. Nous régularisons tout le monde. Côté que, non seulement depuis notre budget rectificatif l'année dernière, nous régularisons pour professeur 2800, bon bien sûr, il y a un dossier entre temps qui a travaillé sur eux. Ensuite, 3000 professeurs qui étaient dans la salle de classe, même si nous étions pour maintenant, nous penchons sur Kassayo au cas par cas. Pour que ça nous dit au cas par cas, n'a pas parlé d'éducation. On a parlé de l'avenir de notre pays, on a parlé de l'avenir de si moun nou yo, nous pas capables de recruter un monde qui n'est pas compétent. C'est comme ça que chaque dossier, nous obligés de garder chaque dossier à la loupe, et comme ça nous avons un professeur qui n'a pas même un baccalauréat. Nous mettons le dossier ça au sous-côté. Et puis, les gens que nous avons qualifié, nous régularisons le dossier. C'est comme ça que, n'est-ce pas vrai? N'a pas demandé moun yo pour yo prendre patience parce que dossier yo en voie de finalisation yo fin traité au niveau de ministère là ensuite bon deuxième travail qui fait pour faire au niveau de OMLH pour regarder si tout bail conforme et puis avec signature fait et puis tout moun sa yo yo commencé n'est-ce pas vrai dossier yo commencé régulariser bon notre engagement que nous même nous te prend. C'est pour nous être capables, n'est-ce pas vrai, encourager l'excellence. Qui ça me dit encourager l'excellence? Je ne vais pas l'encourager au monde qui a pas mettre le caoutchouc dans la rue, qui a pas voyer roche. Mais, on petit monde qui brille, on petit monde qui passe l'examen d'état avec succès, qui lauréat, je pense que le pays en fait pour mettre chapeau bas devant petit monde. Nous songe que l'année dernière, nous avons fait une cérémonie côté nous avons chaque petit monde ça en chèque. Eh bien, nous avons pris engagement après l'instruction du président de la République là, pour que chaque petit monde ça pour un accompagnement qui fait au point de vue, n'est-ce pas vrai, scolaire ou universitaire. Mesure pour m'annoncer petit monde que nous gagnons pour l'instant 34 cartes de débit. Et chaque mois, il y a 10 000 gouttes qui vont tomber sous 4 Timounsayo.
nous espérons faire plus, mais au moins avec tout ça que nous gagnons, nous mettons pour encourager tout le monde qui a un bon résultat à l'école. Nous avons 5 autres personnes, papiers pour qu'on finisse régulariser, quand nous n'avons pas de NIF, etc. Une fois que nous avons ça, ça fait 39 personnes que la question de carte de débit est en forme. Femme dit nous que au niveau professionnel, nous nommons nous un paquet de monde parce que c'est un secteur qui a des problèmes au niveau de maître, au niveau de professeur. Là, nous nommons un paquet et nous gagnons plusieurs centres professionnels qu'on y a qui sont en construction. Tout. Au niveau sport, je n'ai pas besoin de parler, non? Le président de la Fédération haïtienne de football, il a parlé. C'est la première fois que l'État qui appuyait en sélection nationale comme ça. Et si nous sommes partis, n'est-ce pas vrai? C'est 2 ou 3 mois avant le championnat, côté que Timounio, Kounia, yo en France, et il a rencontré Pigoué qui gagnait, il a gagné un meilleur traitement qui gagnait, n'est-ce pas vrai? Même gens avec n'importe qui joueur qui sortit dans l'autre pays. Donc, ça, c'est une façon pour nous dire que l'État, au plus haut niveau, aujourd'hui, il dit que li avec, n'est-ce pas vrai, les sportifs. Et ça, il n'est pas valable seulement pour le football, il est valable tout pour plusieurs autres disciplines. Sans compter, n'est-ce pas vrai, les travaux d'infrastructures sportives, avec faibles moyens que nous gagnons dans l'État, n'a continué avec construction d'infrastructures sportives. Ça. Au point de vue tourisme, nous avons une réparation de plusieurs sites touristiques qui ont fait dans le pays. Haïti est un pays qui est riche. En ce qui concerne sites touristiques et sites historiques, eh bien, nous avons revalorisé ces sites. Nous avons revalorisé les belles plages. En pile fois, nous avons parlé d'Haïti, nous avons parlé d'Haïti de Fatra. Vous parlez d'Haïti, n'est-ce pas vrai, de insécurité. Vous parlez d'Haïti de misère. Mais Haïti est un pays riche. Richesse n'est à travers chaque nous-mêmes là, haïtiens. Et je dis, le gouvernement de la République, non, il prend engagement pour le capocher l'autre image du pays. Et ça fait que maintenant, des collaborations, chaque Grenadien, chaque Grenadienne, pour aider nous, pour nous avoir l'autre image d'Haïti. Aider nous à avoir l'autre image d'Haïti par rapport à comportement. Yo. Parce que Fatrak dans la rue, hein, c'est le monde qui l'a gagné. Oui. Mais nous-mêmes, ça n'a pas fait, nous avons mis des camions qu'on y a. Nous, qui est fort, qui fait déjà. Dans la zone métropolitaine. Et bien, nous avons 50 camions compressifs qui peuvent rentrer là. Et nous connaissons chaque camion compressif. Là, ils font voyage, contre ce voyage pour 4 camions normaux que le fait. Donc, c'est une façon pour nous dire que l'État travaille. Mais nous-mêmes, tout, nous prétendons, n'est-ce pas vrai, accompagnement de la population. L'histoire est longue. Mais.